Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 5 mai. On se retrouve aujourd'hui pour le défi Monopoly case numéro 11. Mais avant de faire le tirage avec ma fille, désolée pour le bruit autour, y a les loulous, je voulais vous parler de deux groupes sur Facebook sur lesquels je suis et qui sont pas mal pour beaucoup, même très très bien pour les gens qui souhaitent faire justement des économies. Il y a beaucoup d'entraide et voilà, c'est plutôt bon enfant. Il y a même des fichiers à télécharger gratuitement et à imprimer, des enveloppes et tout, donc c'est top. Le premier, c'est celui de Budget Chris, hein, que je suis sur YouTube. Donc c'est mieux gérer son budget, entraide, conseils et astuces. Il est top ce groupe, franchement, allez-y, on est plus de 9000 membres dessus. C'est, voilà, très bon enfant, beaucoup de conseils, enfin voilà, c'est vraiment très très bien. Et le deuxième, c'est celui de La Vida de Leti, dont je vous ai déjà parlé, qui a une chaîne aussi YouTube sur le budget et sur le diamond painting. Et son groupe, c'est Organisation Astuces pour faciliter notre quotidien, le partage avant tout. Donc c'est aussi un groupe super, beaucoup de partage de documents et tout. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour ceux qui aiment faire des défis. C'est là-dessus que j'ai eu hein, le défi Monopoly d'ailleurs. Il y a même des enveloppes qu'ils fournissent qu'on peut imprimer et couper et mettre dans le petit portefeuille. Et également pour faire notre budget du mois, moi je sais que je m'en sers pour mon bullet journal. Tous les mois, elle met des feuilles de semaine, des semaines du mois pour pouvoir justement, mettre à jour son bullet. Voilà. Je voulais également vous montrer trois petites nouvelles enveloppes que j'ai eues sur le groupe, enfin pas le groupe, le site de Anna la petite budgéteuse. Donc pareil, hein, ce sont des enveloppes gratuites que j'ai imprimées et découpées et mis du coup dans mon petit filofax. Je les ai trouvées sympas. Donc voici la première. Alors attendez, parce que du coup, hop, voilà. Donc j'en ai pris trois, il y en a plusieurs, mais j'en ai pris trois. Donc il y a celle-ci pour l'alimentation. Toujours avec en mode comme ceci, avec le petit tracker à l'arrière. Alors moi j'ai écrit avec un stylo qui... Alors j'ai pas de plastifieuse. Hein. Du coup j'ai écrit avec un stylo, vous savez le stylo gomme, stylo magique. Ensuite j'ai pris celle de la maison et hygiène, que je trouvais super sympa aussi. Et la diverse. Voilà. Donc ça c'est Anna la petite budgéteuse. Bon bah écoutez, on va passer au tirage. Lolo, tu viens? Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur la rouge à 11 euros, donc j'ai fait mes petits calculs pour pas que ça me coûte trop cher. Faudrait que ma loulou fasse 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 5, bon, allez 2, ça peut être encore gérable, 10 euros, enfin bon bref, là on va arriver dans les cases où ça commence à coûter cher. Allez, c'est parti. 10, je crois qu'on tombait sur la caisse de communauté si j'avais bien calculé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, enlève ta tête, s'il te plaît. Ça, c'est le petit. Donc, 10, caisse de communauté, caisse de communauté, on met la somme des dés. Donc là, 10, du coup, on met 10 euros dans l'enveloppe. La dernière fois, on s'était arrêté à 84 euros. Donc, bah écoutez, 10 euros dans l'enveloppe. Je sais qu'il me reste un billet de 20 dans l'alimentation. Hop, je vais reprendre le billet de 10. Et je mets le billet de 20 à la place. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Ça, je remets dans mon alimentation, pardon. Et je note sur mon petit tracker. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5. Défi Monopoly. Moins 10 euros. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. Du coup, la case numéro 11, le 5 mai, on est à 94 euros. Donc c'est vraiment super. 10 euros et je mets caisse de communauté.
Du coup, je pense que au tirage de dimanche, on risque de passer les 100 euros au bout de 12 cases. Donc voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est parfait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Puis merci pour tous vos gentils messages, pour tous vos conseils. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis en fin de semaine pour faire le bilan de la semaine. Je vous fais des bisous.